c'est l'appel vidéo. Je regarde les présents au moins. Et on va passer à la correction donc du questionnaire 15. Alors, ici, vous aviez donc, il fallait déterminer une équation cartésienne de D. Donc là, il y avait beaucoup d'erreurs dans ce sens-là. Donc là, j'ai pris là parce qu'il y a des choses bien. Donc un vecteur directeur, ça ne peut pas être 3 et 1. Parce qu'on voit que la droite, si vous voulez, si on regarde la fonction, elle est décroissante. La droite, elle a une pente qui descend comme ça. Il devrait avoir un moins quelque part. Donc certains, j'ai mis problème de signe. Donc la personne ici, elle a bien fait les coordonnées 1, 3. Donc si je regarde sur je vais prendre en verte. Ici, je regarde par exemple, là, je prends 2 points. Comment je peux être pour savoir? Je prends 2 points de la droite, d'accord? Qui sont sur la droite et sur des intersections de carreaux pour avoir une précision dans les coordonnées. Donc j'appelle ça par exemple A et B. Et si vous voulez, là j'ai mon vecteur U. Ça correspond à ce qu'a fait la personne ici. Donc vous voyez, j'ai 1 et là j'ai 3. Tout va bien. Mais c'est orienté. Je vous rappelle qu'il y a des flèches dans les axes, d'accord? C'est orienté. Donc là c'est pas un 1, mais vu qu'on va dans le sens contraire de l'axe, qu'on va aller de A vers B. Je dois descendre de 1, donc ici c'est un moins. Donc là il y a un moins, attention. Okay. Et là comme je vais de gauche à droite, dans le sens de l'axe, c'est parfait. Donc là c'est plus. Si vraiment je suis ce sens-là, il manque un moins là. Et là il y a une erreur aussi, pour certains, on verra après. Donc c'est 3 en abscisse et c'est moins 1 ici. Du coup ça génère des erreurs après, puisque là il y aurait un moins. Et là par contre il y a bien un moins 3. Après tout est correct ici. Sauf qu'il y a une erreur de valeur au départ. Mais le raisonnement est correct, les calculs sont corrects. Deuxième erreur, là plus bas. Là, on me dit que le vecteur directeur, c'est moins 1, 3. Tout va bien. Alors là, ça ne va pas. Bah, ça ne va pas du tout. Le vecteur directeur. Alors vous voyez, je lis ici, là. Vous voyez ici, voilà. On me dit que le vecteur directeur, donc si on ne pouvait pas le faire, c'est normal. Donc c'est le vecteur U, c'est moins 1, 3. Ça ne marche pas. Parce que moins 1, ce n'est pas l'abscisse. Moins 1, c'est l'ordonnée. Et 3, c'est pas l'ordonnée, 3, c'est l'abscisse. Donc ça, il y a une erreur, il faut intervertir. Vous voyez bien que horizontalement, c'est l'abscisse, et verticalement, c'est l'ordonnée. Donc là, les signes, c'est bon. Par contre, il y a une confusion entre abscisse et ordonnée pour le vecteur. Donc voilà, ça, c'est l'erreur. Du coup, les valeurs A et B sont fausses, puisque là, après, le raisonnement était juste, je crois, après. Mais après, forcément, vu que là, il y a moins B, A. Si on se trompe ici, forcément les valeurs de A et B sont fausses après. Mais monsieur, Oui? pour l'exercice 1, j'ai pas du tout trouvé A et B comme ça. T'as trouvé comment? Il y a plusieurs manières, hein? Il y a plusieurs manières. T'as Bah fait. avec le vecteur le vecteur AB. Bah oui, c'est bon. Alors tu pouvais faire comme juste après, regardez. Ce qui suit, c'est. Attendez. Je vais. Donc, il y avait une autre méthode. Il y a plusieurs méthodes. Alors là, je recèle surtout les erreurs classiques. Donc l'élève ici m'écrit bien ça. C'est bon, je crois que c'était une fille, genre je vais dire elle. Donc ça c'est très bien, la rédaction est même très bien. Et par contre c'est le moment donné où il faut trouver A et B. Là il y a un problème de signe aussi. Alors il ne peut pas avoir deux moins, il y a forcément un moins quelque part. Donc je vais supposer que là c'est plus, d'accord, je corrige. Mais peu importe. Quand vous écrivez moins BA, c'est que là vous avez moins B et là vous avez A. Donc elle ne peut pas m'écrire que A c'est moins 3, c'est pas cohérent. Elle aurait dû m'écrire A égale moins 1, d'accord? Et B égale, du coup, ici, moins 3. Donc là, il y avait une erreur déjà ici. Donc là, c'est moins 1. Puisque là, c'est A, c'est moins 1. Et B, moins B, c'est 3. Donc ce serait moins 3. Après, bon, bien sûr, il y avait des erreurs. Si vous avez A et B faux, après, forcément. Mais si les raisonnements sont justes, ça va. Mais là, déjà, il y avait. Elle écrit bien la bonne rédaction, mais elle n'a pas compris la personne, enfin, c'était même une fille, le rôle de B et de A ici dans les coordonnées de U. Donc. Parce que moi j'avais pris les coordonnées de points, en fait. J'avais pris un point A et un point B sur la droite, j'avais fait leurs coordonnées, j'avais fait le vecteur AB, je trouvais A et moins et B, je Ah trouvais mais A moins 3 et B moins 9. ça marche très bien. Regarde, Fabien, on arrive à la méthode de Fabien ou la méthode de cet élève aussi. Donc on prend deux points. Donc si vous regardez le point 4, 2 et 1, moins 3, ils sont sur la droite. Regardez, 4, 2, voilà. Et après c'était quoi? 1, 3. 1, 3. Bon l'élève ici, il a pas pris les mêmes A et B que moi ici. Bon c'est pas grave, hein, c'est que des lettres. Mais bon, si on part son principe que A c'est le coordonnée 4, 2. Et B de coordonnées 1, 3, ça appartient à la droite D. Donc c'était bien, si je vous l'ai montré là à l'instant. Ça appartient à D. Et c'est l'inverse de ce que j'ai choisi comme lettre. Là, j'avais mis plutôt B et là A, mais c'est pas grave. Et donc là, il y a un problème.
Parce que par des petits calculs tout bêtes, combien ça fait c'est l'IA 3 moins 2? 1, ça fait pas moins 1. Donc là, il y a une petite erreur. Et donc, du coup, bah, A c'était 1. Bon, là, il y avait A c'était 1. Et B c'était. Bon, B c'était bon, B c'était bien plus 3. Donc là, il y a des petites erreurs. On pouvait aussi faire comme Fabien. Et ça, je crois que c'était Célia, si je ne me trompe pas. On pouvait faire comme ça. Donc prendre deux points et calculer donc XB moins XA, YB moins YK. Ça marchait aussi. Et là, vous avez donc, bien sûr, que ça n'a pas été écrit dans la rédaction, mais AB, c'est un vecteur directeur. Ah mais oui, mais en fait c'est parce qu'il y a plusieurs équations cartésiennes, c'est pour ça que j'ai pas Oui, les mêmes chiffres. il y a plusieurs équations cartésiennes. Ça dépend du vecteur directeur que vous choisissez. Non, D'accord? c'est plus dur à corriger, en fait on va pas corriger avec le résultat Ah final, non, on va corriger avec la méthode. c'était Solène l'erreur, c'est pas moi. Pardon? Du coup on va pas corriger avec le résultat final, on va corriger avec la méthode que l'élève a faite. Voilà, ben je vous ai corrigé de toute manière. Donc, vous voyez, si c'est des erreurs de signes, etc. Vous regardez. Ok. Alors, Est-ce qu'il peut y avoir quoi comme autre résultat final? voici une correction. Là, c'est tout juste. C'est une élève, on voit ses deux petits doigts. Et je pense qu'elle sait qui. Je crois qu'elle est connectée. Donc, ici, donc vous avez. Donc, elle a pris deux points. Ok, elle a pris A et B, d'autres points, un autre point A et un autre point B. Ça marchait très bien. Donc elle dit que la droite D c'est la droite AB, voilà. Donc elle calcule le vecteur. Donc ça c'est un vecteur directeur. Donc on aurait pu l'écrire que AB est un vecteur directeur. Non, elle n'a pas écrit. AB donc est un vecteur directeur. Et donc on calcule les coordonnées comme a fait l'élève précédent. Et par contre, là on trouve moins 6, 2. Donc ça par contre les calculs sont justes. Donc là, par contre, là, elle a mis B, là, c'est moins B plutôt, là, bon. Mais après, elle a bien mis moins B ici et A. Donc A, il vaut l'ordonnée, c'est-à-dire 2 du vecteur, ça c'est OK. Et B, c'est l'opposé de ce qu'on a, c'est donc l'opposé de moins 6, c'est 6. D'accord? À la fin, on trouve donc, après, elle prend un point, le point A de coordonnées, je rappelle qu'elle a choisi moins 2, 4. OK? On remplace ici, donc là, j'aurais pu mettre XA et YA. Mais ça marche très bien. Ah, merci Solène pour les captures d'écran. Là, c'est tout. Mais c'est ça. Et ensuite, on calcule et on trouve ça. Voilà. On trouve une équation du premier degré d'inconnu C. Pour annuler un plus 20, je mets un moins 20. Voilà, de chaque côté. Alors, Satan avait 10 ou moins 10 là. Si vous avez trouvé 10 ou moins 10, c'était juste. Hein. Parce que vous avez des coordonnées de la moitié de ce qu'elle avait. Elle a pris des vecteurs très éloignés. Ce qui fait que les coordonnées du vecteur directeur sont proportionnellement deux fois plus grands que certains. Beaucoup d'élèves avaient moins 3 et 1 ou 3 et moins 1. Le signe moins était quelque part, soit en abscisse, soit en ordonnée. Ça dépendait. Mais à la fin, vous trouvez plus ou moins 10, suivant ce que vous aviez. Monsieur, Oui? est-ce qu'il y a une relation? Enfin, là, on voit qu'il y a une relation un peu entre les deux équations cartésiennes, pour une règle ou pas? Oui, il y a une règle. Alors, par exemple, donc Noé, c'était Noélie, c'est ça? Donc quand j'écris une équation cartésienne comme ça, mettons que j'en trouve une, donc plus c pas plus d, plus c égale à 0, avec bien sûr vous aviez comme vecteur coordonné moins b a, comme vecteur directeur, mais si Noélie ou d'autres élèves, si vous avez un autre vecteur directeur, forcément, si vous prenez un autre vecteur directeur, si je prends un autre vecteur directeur v, forcément, il est collinaire à celui-là, vous êtes d'accord? Puisqu'ils sont forcément parallèles. Donc, vous avez forcément comme coordonnées, par rapport. Si je prends comme coordonnées de base le vecteur u, vous avez forcément moins b fois k et a fois k, d'accord? Donc, c'est un k, c'est pas un b, pardon. Donc, si vous avez le vecteur v en équation cartésienne. Bah vous allez avoir finalement tout multiplié par k. Vous allez avoir ka ici, plus bk ici, y. Et là, vous allez avoir ck. Et comme. C'est comme si je multipliais tout par k, ça en fait. Et multiplier 0 par k, ça fait quand même 0. Donc j'obtiens ça. Donc ceux qu'on trouvait par exemple, là, elle a trouvé moins 20. Et certains ont trouvé moins 10, ou ils ont trouvé 10. Parce que le coefficient de proportionnalité, c'était 2 ou moins 2, ça par rapport à cet élève-là. D'accord? Est-ce que c'est compris, Noélie? Oui. Donc,
Toutes les équations que vous trouvez, elles sont forcément proportionnelles les unes aux autres. Parce que c'est à cause du vecteur directeur que vous avez choisi, il est forcément proportionnel à l'autre vecteur qu'a choisi un autre élève. Donc il y a toujours une relation de proportionnalité, il y a un multiplicateur k qui doit se cacher. Donc c'était forcément en général, si vous prenez les cas les plus simples, vous prenez soit plus ou moins 10 ou soit plus ou moins 20. En général, je crois qu'il n'y a pas eu d'autres cas. On peut faire plus compliqué, mais ça m'étonnerait que vous ayez cherché plus compliqué. D'accord? Il y a des questions? Donc, Solène, c'est toi qui s'occupe des captures d'écran, si j'ai bien compris? Un oui dans le chat me suffira. Super, ben merci beaucoup. Alors je change de souris. Solène l'a déjà fait avec monsieur. Oui, je vois ça du coup. Je ne vais pas mettre entrée. Ah, parce que. Ok. Alors, on passe à la question d'après. Ça, c'est la question que tout le monde a réussi quasiment. Donc vous avez deux équations droites. Attention, vous voyez, je crois que j'ai pas pris de capture d'écran de copie. Mais il y avait un moins ici. Il y a énormément d'élèves, je ne sais pas pour quelle raison. Peut-être ça ne les arrangeait pas. Il y a un moins ici, attention. Certains, dans leur calcul, ils ont oublié ce moins. Du coup, c'était faux dans le résultat, mais dans le raisonnement, c'était juste. Mais là, il y a un moins. Donc, on regarde les équations. Ce qui m'importe, c'est la valeur du coefficient directeur ici. On ne peut peut-être pas prendre vert parce que ça ressortira moins. Je vais prendre rouge. Je vais le prendre plus gros. Ici, 2. Et là, moins 3. D'accord? Donc, ici, finalement... Donc, là, si je veux ici... Vous avez A est égal à 2. Bon, B, je m'en fiche un peu. Et ici, A prime est égal à moins 3. Et donc, on a ici donc que A est différent de A prime. Et comme les coefficients directeurs sont différents, ok, les droites sont séquentes. D'accord? Des questions là-dessus? Je pense que tout le monde a réussi ça, cette question-là. Celle-ci, c'était plus délicat. Maintenant, vous aviez donc trouvé le point d'intersection des deux droites. Donc, certains ont fait un schéma, c'est très bien, d'accord. Si je devais refaire le schéma, donc là, vous aviez deux droites. Oh mince, je suis pas dans mon crayon. Donc là, vous avez deux droites. Bah, mettons, si je retrace bien ce qu'a fait l'élève, comme ça, là, je la trace en bleu. Ici, voilà, comme ça. Et donc, ici, je mets un point vert. Donc là, vous avez un point d'intersection. C'est très schématique, hein. Faut pas voir ça comme quelque chose de très très précis, c'est juste pour se représenter. Donc là vous aviez XI pour, voilà, pour que tout le monde voie, et là vous avez YI. Et ce que je cherche, c'est combien vaut XI et combien vaut YI. Mais monsieur, là, oui, c'est vrai, non, mais c'est un schéma, ça c'est schéma. Peu importe. L'idée c'est... Non mais... Oui, non, mais c'est vraiment pur. C'est juste pour la mettre. C'est une manière générale. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a un point d'intersection et je cherche XI et YI. Et comme en plus, tu vois, XI et YI appartiennent par exemple à D1, on voit bien que les coordonnées de XI vérifient l'équation de D1. Donc là, il y a un petit I qui manque. Et là aussi, il y a un petit I qui manque. D'accord? Bon. Je suis d'accord avec toi qu'il y avait forcément une fonction croissante. Une fonction qui partait plutôt comme ça. En montée là, mais bon, on va dire que c'est un schéma. Le but c'est pas forcément d'avoir un schéma très précis, mais là ce schéma là pour démarrer c'est déjà bien. Et donc comme vous voyez bien que là vous avez XI et XI, c'est ça qu'il faut comprendre. Alors je vais me rendre ça, je vais me mettre en bleu. Là vous avez YI et YI qui sont égales à ça et à ça. Donc si vous avez deux fois l'expression de YI, c'est que ça veut dire que les deux expressions à droite du égal là, celle-ci et celle-ci, elles sont forcément égales. Vous êtes d'accord? Donc, c'est pour ça que j'écris que ça, c'est égal donc à ça. Donc, tout ça, si vous voulez, ça vaut YI. Ça, c'est YI égale YI. Pour ceux qui ne comprennent pas. Ensuite, je résous l'équation. Donc, comme a fait Victor, là, donc pour enlever le plus 1, d'accord? Pour enlever le plus 1, pour enlever le plus 1, je enlève moins 1 de chaque côté. Donc là, ça va faire 4. Et celle où Victor s'est trompé. Pour annuler un moins 3xi, il faut mettre plus 3xi de chaque côté. Là, ça va faire 0, il va rester 4. Et là, j'ai un 5. Donc pour ceux qui peut-être qui voient moi, c'est un 5. Et après, pour annuler ce coefficient 5 devant xi, je divise par 5. Et j'obtiens ça. Ça t'a donné la valeur décimale, c'est 0,8 pour ceux qui...
Et on pouvait mettre l'une ou l'autre, l'expression fractionnaire ou l'expression décimale. Super. Alors, Solène, elle est vraiment dans les. Et. Ah oui, et là, et j'ai oublié la suite, je sais pas pourquoi. Il manque YI. D'accord, certains ont d'ailleurs oublié. Mais pour trouver YI, je vais le faire, j'ai oublié de prendre une capture d'écran. Et YI. Non, c'est là. Combien vaut YI? Ben donc, vous savez que, prenez une des deux expressions, vous savez que YI c'est 2 fois XI plus 1, d'accord? Je peux mettre celui-là, je prends une des deux, je prends la première. YI c'est 2 fois XI plus 1. Du coup, ben, comme là, j'ai mon XI, j'ai mon X ici, d'accord? Ben, je vais remplacer donc 2 fois, je vais prendre en bleu, 4 cinquièmes par exemple, voilà. Ça c'est mon xi plus 1 et je calcule et comme Fabien l'avait oublié là je multiplie par 2. Certains, alors il y en a qui m'ont fait l'addition en priorité. Non, l'addition n'est pas prioritaire, c'est la multiplication qui est prioritaire. Donc ça c'est prioritaire. Et je multiplie par 2, donc ça fait 8 sur 5. Plus 1, mais 1 c'est 5 sur 5. Donc je peux anticiper là, comme ça je vais un peu vite. Et au final ça fait 13 sur 8. D'accord? Et on pouvait vérifier, mais je n'ai pas vérifié, que ça marche aussi pour la deuxième expression de YI. Monsieur, c'est juste un exercice, ça peut être un exercice sur le calculateur. Ben oui, bien sûr. C'est même, enfin, c'est même un exercice pour moi sans calculatrice. Je vois pas pourquoi tu aurais besoin de ta calculatrice. Bon, je sais pas. Des fois, je me dis qu'il y a calculatrice à côté, donc c'est plus rapide. C'est plus rapide, mais tu gagnes en rapidité, mais si tu te perds dans les calculs, c'est dommage que. Ben, c'est. Non, mais je vais essayer de faire. Mais tu sais ce que tu avais fait? Tu avais vérifié. On peut vérifier que YI, lui, il est égal à moins 3XI plus 5. C'est-à-dire. Bon, ça, c'est à vérifier. Certains l'ont fait, d'autres l'ont pas fait. On peut vérifier. À vous de le faire pour être sûr que vous n'êtes pas trompé. Je vais mettre suspens. Donc, suite du chapitre, on avait fait grand 3. Donc, comment déterminer les points d'intersection de deux droites. Okay. Ça, je l'avais fait en vidéo. Maintenant, on va faire un système d'équations. On va le voir dans un cas concret. Et puis, après, à la fin du chapitre, on verra comment raccrocher ça à des droites. Parce que le chapitre, c'est sur les droites. Là, on va un petit peu s'écarter des droites, mais on va y revenir à la fin. Donc, vous écrivez grand B. Donc, dans le grand 3, vous écrivez grand B. C'est lancé à la vidéo. Oui, j'ai lancé la vidéo. Donc vous écrivez ça, le grand 3, là je l'ai mis sur mon petit... hop, vous écrivez ça. Donc on est dans le grand 3, je le rappelle, système d'équations. On avait fait grand A, donc il y avait un grand 3. Après il y a eu un grand A, donc, et là c'est un grand B. Ok? Je vous laisse faire, là je vais me mettre sur pause. J'avais oublié. Donc choix de l'inconnu, maintenant on a traduit l'énoncé, d'accord? Donc 3 pains au chocolat, 2 croissants, ça donne ça. Ensuite, 1 pain au chocolat, 3 croissants, ça donne cette deuxième équation. Et le tout, avec la collade, ça c'est important, on appelle cela un système d'équations. Système, c'est à partir de Système, c'est à partir de deux Oui, équations. il en faut au moins 2. D'accord? On peut en avoir 3, 4 d'équations. Vous verrez ça donc plus tard. Et donc finalement, on a traduit l'énoncé, mais traduit dans l'énoncé, on aboutit à la mise en équation. Donc ça, c'est aussi la mise en équation. Souvent, je mettais 4. D'accord? Petit 4, je mettais un petit 4 ici. Mise en équation. Là, on n'a pas besoin de le faire, puisque on est déjà. En traduisant, on a la mise en équation. Donc la mise en équation. C'est aussi simple que ça, c'est la même chose. Donc je vais le réécrire quand même pour respecter les étapes. C'est le 3 du coup, c'est le C'est le 3. 3, mais je réécris la. Alors, je vais réécrire en mettant toujours les x d'abord. En fait, on préfère mettre les x d'abord. C'est souvent comme ça, parce que x est avant y. Donc je vais réécrire les choses en mettant x d'abord. Donc 2x plus 3y. Donc j'inverse juste les rôles. Hein. C'est égal à 5,60 €. Et là, je mets 3x plus. Alors, je vais pas écrire 1y, mais simplement y. Parce que 1y, c'est tout simplement y. Tout va bien? Oui. Donc,
Contrairement dans les équations cartésiennes, là, je vais chercher les valeurs de x, y et z. Donc, enfin, de x, y, il n'y a pas de z. De x, ici. Et ça, je cherche y aussi. Ça, je les cherche. OK? Donc, là, on va passer à la résolution et on va utiliser ce qu'on appelle la méthode par substitution. C'est quoi le 3 système d'équations? Ah, par contre, il y a un 3. C'est pourquoi j'ai passé à 4. Pardon, je me suis trompé. Je sais pas pourquoi j'ai écrit 4. Mince. Donc là, c'est petit 3. Donc, Adrien, merci de m'avoir corrigé. Et c'est système d'équation. Enfin, c'est mise en équation. Et la mise en équation, c'est le système d'équation. J'ai tout simplement ici arrangé pour que les x soient d'abord et les y après. Parce que c'est la présentation, je dirais, habituelle. Donc, c'est pas pour que ce soit bien clair pour tout le monde dans les exercices que vous verrez, c'est souvent comme ça. Maintenant, je vais résoudre ça. Maintenant, on va résoudre le système. Petit 4. Je vais écrire en rouge. Petit 4. Résoudre le système ou résolution du système. Et on va voir la méthode par substitution. C'est la méthode la plus utilisée. Il y en a une deuxième qu'on verra le vendredi. Substitution. Monsieur, oui. Monsieur, j'ai pas compris pourquoi j'ai changé d'ordre les x, y, parce qu'en général, on présente ça comme ça. On met d'abord les x et d'abord après les y. Parce que x, il est avant y dans l'alphabet, tu comprends? Oui. Donc c'est juste pour ça. Vous allez voir que bon, ça change rien au problème, mais c'est juste pour au niveau visuel, voilà. Souvent quand vous aurez des problèmes de maths, ça sera présenté avec le x là et le y à droite. Donc c'est juste visuel pour que vous ne soyez pas désorienté. Maintenant, on va faire et la méthode par substitution, c'est ce que justement, en fait, normalement, naturellement, vous, enfin, dans l'exercice qu'on avait fait, je crois, avant le confinement, il y avait dans le dernier contrôle, mince, naturellement, on va essayer de le faire. On va essayer de substituer, donc de remplacer une inconnue par une autre pour que ce soit clair. Donc ici, vous avez que 3y plus 3x plus y, ça vaut 80. 3, c'est quoi? 3 pains au chocolat plus 1 croissant, c'est égal à 80. Donc normalement, je peux exprimer... Alors, y, je rappelle, c'est quoi, pour que je me trompe? Y, c'est les pains au chocolat. Donc je peux exprimer combien vaut le prix d'un croissant, d'un pain au chocolat, par rapport au prix des croissants. Voilà, c'est ce qu'ils non mais c'est ce qu'ils ont dit mais de différentes manières. Vous avez ça. Donc, vous voyez qu'ici en fait le y il est isolé, d'accord? Il n'a pas de coefficient, enfin il y a un coefficient qui vaut 1, il est isolé. Donc je peux essayer d'exprimer y en fonction de x. Regardez. Donc c'est ce que vous m'avez dit hein. Je vais annuler ce plus 3x en mettant moins 3x de chaque côté. Donc ici, y égale donc 4,20 ou 4,2 moins 3x. Et du coup, ça, cette expression va être très importante pour la suite. Du coup, donc, dans l'équation qui est là, j'ai exprimé y en fonction de x. Bah maintenant, mon y, je peux dire qu'en fait, il y a une dépendance entre x et y. Donc, le y qui est là, je vais le remplacer dedans. Est-ce que vous comprenez ou pas? Ça va être 3 fois 4,20 moins 3x. Alors, regardez, attendez, j'ai encore ma règle, pardon. Donc, dans l'autre équation, dans l'autre équation, c'est important, on ne prend pas la même. Dans l'autre équation, c'est-à-dire 2x plus 3y égale 5,20 €, on va remplacer le y par l'expression trouvée. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Vous voyez le y qui est là? Voilà, je vais le substituer, ça là, je vais le remplacer. Donc on va, vous pouvez écrire,
on va substituer ce y par l'expression 4,20 moins 3. Donc pour que ce soit, je le dis oralement, mais je l'écris parce que pour que ce soit important, il faut que ce soit écrit. Là, je suis là, je prends le bleu. On va substituer, d'où le mot substituer, ou remplacer si vous voulez. On va remplacer, c'est-à-dire substituer si on prend le terme de la méthode. Substituer, c'est remplacer. Hein. Le y par justement 4,20 moins 3x. Ok ? C'est ça la méthode par substitution. Du coup, ça va donner. On a alors. Si je remplace, j'ai 2x plus 3, et je vais l'écrire en rouge. Donc 4,20 moins 3x. Voilà, j'attendais là. Il y a des erreurs souvent classiques là-dedans. Et c'est entre parenthèses, attention. Entre parenthèses là. Donc on pourrait mettre un froid, on n'est pas obligé, mais on en met un pour que ce soit clair pour tout le monde. Et du coup, ce que j'obtiens là, qu'est-ce que j'obtiens au final? J'ai une équation du premier. Il n'y a pas d'x carré, parce que si je développe mentalement, peu importe ce que je trouve, à aucun moment j'aurai du x carré. Donc j'ai déjà une inconnue et c'est du premier degré. Et ça c'est une équation. Et ça c'est une équation du premier degré à une inconnue. D'inconnu x tout court. Il n'y a plus de y. D'accord ? Et ça, on sait résoudre une équation du premier degré à une inconnue, ça on sait faire. Mais en fait, c'est quoi différent entre mettre le système d'équation et la mise en équation ? Donc la mise en équation, Noélie, je ne sais pas si tu m'entends, je crois. Noélie, la mise en équation, c'est le système. Donc en fait, 3 et 4, c'est pareil. Le fait d'avoir traduit l'énoncé, alors des fois, ça suffit pas. Mais là, traduire l'énoncé, ça va donner directement la mise en équation. Et la mise en équation, c'est le système d'équation. Du coup, on doit la remettre. De quoi ? Non, non, là, c'était juste pour que ce soit bien clair, mais t'étais pas obligé. C'est pour dire que dans un travail de problème, il y a toujours un choix de l'inconnu, deux, traduire l'énoncé. Des fois, ça suffit pas. Donc après qu'on a traduit l'énoncé, on va donc mettre en équation. D'accord. Mais du coup, quand on aura fini l'équation, je veux dire l'équation du premier degré, Voilà. Donc là, je vais essayer de résoudre maintenant. Très bien, c'est exactement ça. Donc d'abord, je vais développer. Je fais 2x. Là, je vais développer. Donc tu peux commencer à écrire un dernier capture d'écran. Ah si, c'est bon. Enfin, oui, c'est bon, c'est bon. Donc là, je peux développer comme ça. Donc 3 fois 4,20€, ça fait 12,60€, si je ne me trompe pas. Donc 12,60€. Moins, donc 3 fois 3x, ça va faire moins 9x. Et à cause du moins, et là, ça ne bouge pas, c'est 5,60€. Donc là, je vais réduire les x. D'accord ? Ça va me donner moins 7x. Plus 12,60. Vous voyez ? Et là, c'est une équation du premier degré. Comment je peux trouver ? Donc, d'abord, je dois trier le terme constant. Comment je l'aligne, ce terme constant, là ? Plus de chaque côté. Donc, vous pouvez faire une capture d'écran parce que je vais glisser. Comme ça, on a une vue d'ensemble déjà dans un premier temps. Vous pouvez poursuivre les calculs. On pouvait faire moins 12,60. Le premier, tu traduis le second. Tu vois. Voilà, c'est ça. C'est exactement ce qu'a écrit Noah dans le chat là. On traduit et après, si on a la mise en équation, c'est bon. Des fois, il y a un petit travail à faire. Mince. Oh mince. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est bon. Il manque le égal 60 à Solène là, petit point t'inquiète, voilà. Ah, le screen est plus. Non, il a été supprimé. Il manquait les 5,60€, c'est important quand même d'avoir l'équation entière. Ensuite, donc on fait. Je fais donc ce que j'ai à faire. Oh là. T'as pris la capture? Ah, c'est bon. Ok.
Donc là, je continue. Donc à gauche, ça me fait moins 7x, parce qu'il ne se passe rien. Plus 60, plus 12, 60, moins 12, 60, ça fait 0. Et là, donc, on regarde la différence. Ça fait 7. C'est ça? Si je me trompe pas. Moins 7, pardon. Et donc, c'est bon? Et donc, ensuite, pour annuler ce coefficient moins 7 devant x, je vais donc faire quoi? Diviser par moins 7. Oui, par ou fois moins 1 sur 7, c'est comme vous voulez, mais ou diviser par moins 7 de chaque côté. Ça va donc me donner ici x égale 1. Donc, combien vaut. Alors, x était, je sais plus, là, j'ai plus l'écran sous les yeux. C'était le pain au chocolat ou je ne sais plus. X était le prix d'un croissant. Donc un croissant coûte 1 euro. C'est bon? Et maintenant on va trouver Y. C'est facile. Comme l'a dit Noah tout à l'heure. D'accord? On va donc. On a le prix de X. X. On va prendre par exemple celui-là. On va prendre. Ben, on a ça là, vous voyez, Y. Le prix d'un pain au chocolat, c'est donc 4,20€ moins 3 fois le prix d'un croissant. Ou je sais plus, là, je mange les pinceaux. Ah, ok, d'accord, c'est bon. Ah, okay, c'est bon, d'accord, c'est bon. Ah, or, je suis en stylo, c'est bon. Or, Y est égal à 4,60€ moins 3 fois X. C'est ça, non? C'était ça, je me trompe pas? 4,20€, je crois. Ah oui, 20, je crois. Oui c'est ça, c'était un 20. Pardon. 80, voilà. 4,20€, moi ça. Et comme xi ça vaut 1, donc ça c'est important que je le mette plutôt près de ça. Comme xi ça vaut 1, ça fait 4,20€ moins 3 fois 1 si vous voulez, que c'est 3. Hein. Bon. Au final ça fait 4,20€ moins 3 euros, ça fait 1,20€. Donc, le prix d'un croissant d'un pain au chocolat, c'est 1,20€. Mais on n'a pas mis l'unité, monsieur. Mais c'est pas grave, mais si tu veux, c'est des euros. Si tu veux, t'as envie de mettre euros, mais c'était pas grave. Non, parce qu'on me l'a dit tellement de fois. Mais pour l'instant, pour l'équation, t'en as pas. Pour la résolution, t'en as pas. C'est l'interprétation qu'on aura besoin. Okay. Donc, les solutions du système. On va, 4, on a résolu, donc on va. Donc, les solutions du système. Donc, la solution du système plutôt. Ouais, puisque c'est la solution. C'est S égale, et là ça va être un couple, donc on met des accolades d'une part, et là c'est un couple. Donc le premier c'est X, c'est 1, et le deuxième c'est Y, c'est donc 1,20€. Donc là j'ai manqué un peu de place. Et là on peut faire conclusion, et là on peut mettre un grand 5, on va conclure. Une fois qu'on a fait tout ça, grand, c'est pas 5, peut-être grand 4 en fait. Non, grand 5. Ah c'est bon, grand 5. Alors capture d'écran peut-être là. Après 1,60, voilà, grand 5. Conclusion. Combien vaut un pain au chocolat? Et là, on va mettre des unités. Donc, 1 croissant. Coûte 1 euro. Et un pain au chocolat coûte. Coûte 1,20€. 1,20€. Est-ce que c'est clair, c'est la méthode par substitution? Donc ici. Alors je vais mettre pause. Comme ça. Donc on va essayer de faire donc le 40 page 274 et seulement le petit 2. Ici donc les inconnus sont A et B. Il faut les trouver. Et comme vous avez un des coefficients qui vaut 1 à l'une des deux inconnus. Quel est le coefficient 1 à l'une des inconnus? C'est B. Voilà. Vous pouvez rajouter en rouge ou en vert. Ou voilà, en rouge ici, un 1. Voilà. Le fait qu'il y ait un 1 ici, ça va être. On va exprimer B en fonction de. Donc on va écrire ça. Donc je ne vais pas tout écrire, mais comme ça vous aurez le temps de le faire. Par vous-même. On va dire. On va essayer de trouver B combien ça vaut. Et une fois qu'on aura la valeur de B en fonction de A, ce fameux B, on va l'injecter ici. Donc j'effacerai après.
Et après, on aura une équation du premier degré, on trouvera A et après on trouvera B. Est-ce que vous avez compris? Moi, oui. Ben, je vous laisse faire. Oui. Voilà, je vais mettre pause. Je vous laisse quelques minutes et puis après, on a, une fois qu'on aura fini de corriger cet exercice, le cours sera terminé. Ok? Allez, je vous laisse 5-10 minutes, jusqu'à les 20. Il est 11h14, je vous laisse jusqu'à 11h20. On passe à la correction. Alors, ici, comme je l'ai dit donc, avant que vous le fassiez, on va isoler B puisqu'il y a un coefficient 1. Donc là, pour isoler le B, pour avoir justement B, il faut annuler un 3A. Donc je mets, comme c'est plus 3A, là je mets moins 3A de chaque côté. Au final, je vais donc avoir 3 moins 3A, comme a écrit Noah sur sa capture d'écran. Et du coup, ce fameux B, je vais donc le substituer là dans mon expression. Donc là, j'ai pris la première équation. Vous voyez là l'équation 1, si vous voulez là l'équation 2. J'ai pris l'équation 1. Mais comme j'ai pris l'équation 1, maintenant je prends l'équation 2. C'est-à-dire que j'ai 5A plus 2B. Je ne reprends pas la première, en fait, sinon ça serait pas intéressant. Et cette valeur de B, là, que je vais mettre comme ça. Non, c'est pas ça. Cette valeur de B, hop, si je fais ça mieux que ça. Cette valeur de B, voilà, qui est là. Je vais aller la substituer ici. Donc, je vais passer par au-dessus plutôt. Et je vais la substituer à cette valeur-là. Hop. Ici. Hop, AB. D'accord? Là, c'est B et là, c'est B. Donc, je vais les substituer. Donc, je vais remplacer, quoi. Donc, en bleu, ça fait 5A plus 2. Et là, par contre, je vais écrire en rouge. Je remplace le B. 3 moins 3A. Et je mets bien des parenthèses. Et c'est bien un fois ici. Et égale 4. D'accord? Maintenant, je vais donc... là, j'ai une équation du premier degré, d'accord, avec une seule inconnue, donc tout va bien. Je vais développer, réduire et résoudre. Donc, c'est ce qu'a fait Noah, j'ai vu sur sa capture d'écran. Donc là, j'ai fait 5A. Je développe 2 fois 3, 6. Donc, je fais comme ça, 2 fois 3, 6. 2 fois moins 3A, ça fait moins 6A, égale 4. Capture d'écran, peut-être là, comme ça, je vais écrire un peu plus... Pas, alors... Instantané, c'est incroyable, incroyable. Parce que je fais des erreurs, vous voyez, c'est des petites erreurs qui m'arrivent, merci. Alors qu'il y a une... Donc Solène, là, pas qu'il y ait des choses fausses, il y a le moins là. Merci de refaire une capture d'écran. Parce que certains vont copier et vont pas comprendre pourquoi. C'est moi qui me suis trompé. Alors, il y a le moins là, le moins 4. Ensuite, donc ça c'est bon, supprimer, elle fait tac, 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 c'est bon, je pense que je suis... Maintenant, je vais réduire les termes en A. Il y en a plus 5, il y en a moins 6, ça fait moins 1A. Et c'est où Fabien a eu justement du mal. Il m'a posé la question. Ben, regarde le 2B. Regarde combien B, c'est quoi B, ça vaut combien B? Là, B, ça vaut combien ici? Tu vois la flèche? Ben, je vais substituer, d'où la méthode par substitution. Ah d'accord. Tu veux là, tu veux, je vais l'écrire, on va substituer, on va remplacer B par... Voilà, c'est ça la méthode par substitution, d'accord? Donc ici, j'ai donc réduit, après je vais annuler le plus 6, parce que je veux que le terme en A à gauche... Ok, je fais moins 6 de chaque côté. Donc franchement, dans l'année, on a fait beaucoup d'équations. Je pense que pour une grande majorité, je vois que ça marche. Les autres, il y en a encore qui ont un peu du mal. Il faut vraiment vous entraîner. Et là, justement, qu'est-ce que je fais? Bah, le 1 moins A, c'est moins 1A. Soit je multiplie par moins 1, comme a dit Noah. Mais si je restais toujours dans, dans le même raisonnement, bah, le coefficient de A, pour l'annuler, je divise par ce coefficient. Donc c'est... Je vais toujours dire ça, ce sera plus simple parce que ça évite des confusions entre il faut multiplier ou est-ce qu'il faut diviser. Bon voilà, je fais toujours la même chose, comme ça c'est clair. Et au final, A est égal à 10. En capture d'écran.
Donc Solène, tu l'as pas, tu pourrais supprimer la capture d'écran puisque il y a le moins 4 qui apparaît pas. Ça, certains vont pas comprendre. Du coup, on a trouvé A, mais le but c'est de trouver A et B. Donc j'ai fait que la moitié de ce que du travail. Bon, j'ai fait la plus dure en tout cas. J'ai fait peut-être 75%. Et ce que j'ai fait le plus dur, c'était de trouver A. Maintenant, donc on va trouver B. Ben, c'est facile, regardez. Je vais réunir ces deux-là, admettons. Là, je vais réunir ces deux. Parce que regardez, là, je vais mettre en vert. Là, vous avez A. Là, vous avez A. Ben, vous allez remplacer ce A par combien ? Je remplace A par combien dans l'expression qui est ici ? Ben, par 10. Donc ici, B, finalement, c'est 3 fois... 3 moins 3 fois... Je vais l'écrire en vert. Ben, 10. D'accord ? Et ça fait donc 3 moins 30. Et moins 27 comme on avait trouvé. D'accord ? Donc B est égal à moins 27. Est-ce que c'est bon ? Alors capture d'écran, oui. D'autres captures d'écran, mais non, on peut. Tu peux tout faire aussi pour montrer la logique. Donc ça, je vais peut-être mettre des flèches ici, là. Hop, hop. Hop, hop. Est-ce que vous comprenez ? C'est bon ? Ça peut paraître dur, je peux comprendre qu'il y a beaucoup d'équations, il y a beaucoup de lettres, il y a beaucoup de raisonnements, mais au fond, ça n'est pas tant que ça. Après, c'est de l'entraînement. Certains ont déjà compris, je pense, d'autres auront un peu plus de mal. Enfin, c'est normal, c'est toujours comme ça. Mais du coup, on va conclure. Donc, ici... Donc, la solution du système, c'est important... Donc, et donc, si vous voulez, on commence par A, c'est d'abord 10. Ah, oh, pardon, je vais pas écrire comme ça. Pardon. S égale, toujours solution égale. Hop. C'est un couple en fait. Comme des coordonnées, c'est 10 pour A. Et pour B, c'est moins 27. Donc, c'est comme des coordonnées. Et après, je mets des accolades pour dire que c'est l'ensemble des solutions. D'accord. Là, vous avez la valeur de A. Et là, vous avez la valeur de B. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Oui. Alors, vous voyez, je vais suspendre.